Ah, mais je peux vous en mettre 2 heures, hein, moi. La cuisine collective au Chélaga Maisonneuve est impliquée dans sa communauté depuis 36 ans. Donc, 36 ans à développer l'autonomie puis la capacité individuelle et collective à cheminer autant au niveau de l'alimentation que de l'insertion socio-professionnelle. La SAQ permet de faire grandir de façon majeure un projet en agriculture urbaine. Donc on travaille depuis 5 ans maintenant à développer un approvisionnement local. Ça va multiplier par 50 la capacité de production. Ça nous permet de développer de l'insertion socio-professionnelle en milieu d'agriculture urbaine et d'alimenter une communauté assez large. On établit que la première année, ça devrait être entre 15 et 16 tonnes de légumes qui seront produits, mais aussi et surtout d'approvisionner une vingtaine d'organismes communautaires, à peu près entre 10 et 11 HLM, pour que les familles défavorisées aient accès à des fruits et des légumes de qualité. Quand on a la capacité de vous vendre soit à la cafétéria ou de mettre en avant notre plateforme de vente en ligne de l'ensemble de nos plats cuisinés et de nos produits, ça permet aussi à l'intérieur de nos locaux dans Hochelaga Maisonneuve d'avoir un magasin communautaire qui approvisionne la communauté la plus fragile autour de notre organisation sur la rue Adam. Donc c'est à chaque fois, il y a un pendant. Il y a quelque chose en économie mais qui dessert une action sociale de l'autre côté. Ça a démarré au 5600 Hochelaga. Après avoir été sur notre toit, c'est ici, c'est sur un autre site l'année prochaine. L'approvisionnement de qualité en circuit très court, c'est faisable, c'est possible par des initiatives comme celles qu'on porte avec vous ici. Voilà ce que fait la SAQ pour nous.